Bonjour à tous, le son marche très bien apparemment. Première fois pour ma part pour parler au salon, c'est assez impressionnant, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour être franc. Première fois que je parle tout court d'ailleurs, donc on va faire semblant que je suis hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un de mes projets les plus marquants, l'un de mes tournages les plus marquants, parce que peut-être faut que je commence par me présenter, mais je suis vidéaste professionnel et aussi youtubeur, même si je déteste ce mot, j'ai une chaîne YouTube, on va dire. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui d'un de mes projets les plus marquants, les plus difficiles, mais à la fois les plus incroyables. C'était vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie de ce tournage, donc je voulais vraiment vous amener avec moi, un peu voir les coulisses de comment ça s'est passé. C'est tout l'objet de ma présentation aujourd'hui. Juste pour me présenter rapidement, du coup, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de la vidéo. Je me suis lancé à la fin de mes études et on fait tout type de vidéos. Donc moi, je me limite vraiment à rien. J'ai fait récemment, on a réussi à faire une pub TV. Donc c'est ma première pub TV. Petite fierté, elle est passée sur M6 en début d'année. C'était pour la marque Lune de Miel qu'on voit en bas à gauche. Mais comme je vous le disais, je me limite vraiment à rien. Donc je travaille un peu dans le corpo, les promotions touristiques, événementielles. Je fais vraiment beaucoup de différents types de projets vidéo. C'est ça qui me passionne en fait, c'est de toucher un peu à toutes les industries. Donc là à droite, vous avez quelques petits récaps. Là, c'était un tournage que j'ai eu à New York. C'était un rêve de gosse de pouvoir filmer à New York et j'ai réussi à avoir une presta là-bas, donc ça c'était l'année dernière. Je filme pas mal pour le Stade Toulousain, je fais des vidéos pour TF1, Nikon, Boulanger entre autres, donc voilà ce qu'on fait. Je dis on parce qu'en fait maintenant on est deux à travailler dans la boîte, il y a Kylian qui est au fond sur son téléphone, carton rouge Kylian, mais maintenant on est deux à bosser pour la boîte, donc ça évolue un petit peu, c'est cool. En parallèle du coup j'ai une autre casquette, donc une casquette de YouTuber. On a réussi maintenant à atteindre le palier des 45 000 abonnés. Donc sur cette chaîne YouTube, en fait, je partage des tutoriels autour de la photo, de la vidéo, surtout de la vidéo. Donc voilà, vraiment tutoriel. Et ensuite, j'emmène aussi les gens sur mes différents tournages. Donc sur mes tournages pro, en fait, je filme un peu l'envers du décor et je montre tout ça sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Alex Jackson, pour ceux que ça intéresse. On fait un petit peu des vlogs et je fais aussi pas mal de vidéos de voyage parce que vous l'avez compris, mon métier me permet de pas mal voyager. En dessous, vous avez quelques partenaires et marques qui sponsorisent un petit peu mes vidéos. Donc, petite fierté aussi de bosser pour des marques aussi prestigieuses. Et à côté de ça, donc, d'ici 5 jours, j'aurai une troisième casquette de formateur parce que ça fait 6 mois qu'on bosse avec Kylian sur une formation DaVinci. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de DaVinci Resolve. Je suis tombé complètement amoureux de ce logiciel. On a switché il y a 1 an et ça a complètement tout changé notre workflow. C'est un logiciel qui n'est pas forcément facile à prendre en main, mais une fois qu'on a compris le truc, ce fameux système de nœuds que certains d'entre vous connaissent peut-être, est-ce qu'il y en a qui sont sur DaVinci ici? Il y en a certains qui me comprendront du coup quand je dis que c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc voilà, on a passé les 6 derniers mois à bosser sur cette formation qui va sortir mercredi. Donc ça, c'est une petite fierté d'enfin voir ça, d'enfin le mettre sur le web. Et vous allez voir, je vous ai mis en dessous, c'est marqué en tout petit pour vous, mais il y aura un code promo pour vous, spécial salon de la photo, si jamais ça vous intéresse. Je vous donnerai ça à la fin de la présentation. Alors, le Alex, à la fin de ses études, il avait 2 rêves. Son premier rêve, c'était pouvoir vivre de la vidéo. Et son deuxième rêve, c'est pouvoir voyager. Il avait vraiment que ces 2 rêves-là. Donc, je voulais vous amener, comme je vous l'ai dit, sur... j'ai réussi un peu à réaliser mes 2 rêves, à les combiner en tout cas. J'ai réussi à avoir un projet il y a un peu plus d'2 ans environ, pour l'Office de tourisme de la Guyane. Donc, l'Office de tourisme de la Guyane m'a contacté pour faire une vidéo pour eux. Quand j'ai reçu le mail dans ma boîte de réception, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Donc, c'était vraiment une immense fierté d'avoir été contacté par cet Office de tourisme. Et donc, forcément, j'ai sauté dessus. Donc, en fait, on a été appelé pour faire une vidéo. On a été appelé pour faire 3 vidéos pour eux, pour promouvoir l'Office de tourisme de la Guyane. L'idée, c'était de donner envie aux gens de venir parce que ce n'est pas forcément une destination très connue. C'est une destination qui fait un petit peu peur parce qu'on connaît tous la forêt amazonienne, tout ce qui va avec. Vous allez voir les petites bestioles qu'on a vues. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de donner envie aux gens d'aller en Guyane. On essaye de viser plutôt une cible qui est à soif d'aventure. Alors, la demande, le client m'a demandé de faire 3 vidéos promotionnelles de 1 minute, donc des vidéos très courtes. C'est ça qu'on demande, les clients veulent que des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, donc 3 vidéos promo de 1 minute pour promouvoir la destination. Et on avait 2 contraintes, 2 sacrées contraintes. La première, c'était que c'était un tournage pendant la saison des pluies. Donc moi, je n'étais pas au courant de ce que c'était la saison des pluies. Je me suis dit, je vais me prendre quelques petites averses, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas des petites averses comme ici, c'est des pluies tropicales
gigantesque. Quand j'ai pris la première, j'ai vite compris. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est des pluies tropicales qui arrivent toutes les 15-20 minutes. Donc, niveau matos, etc., beaucoup d'organisation, on va en parler juste après. Deuxième contrainte, c'était de devoir dormir en pleine forêt. Donc déjà, le côté aventure, voilà, moi, je n'avais jamais goûté à ça. Mais aussi, il a fallu penser à tout le matériel, niveau batterie. Voilà, c'est quelque chose auquel moi, je n'ai jamais été confronté. Donc, il a fallu s'adapter et prévoir un peu ce tournage. Justement, niveau matériel, pour vous faire une petite liste de ce que j'ai pris. Donc, au niveau de ma caméra, j'ai pris ma caméra actuelle, donc le Sony A7S III. Je suis sur la 7S III depuis quasiment depuis sa sortie, toujours aussi amoureux de cette caméra. Et je l'ai surtout prise parce qu'elle est tropicalisée. Donc, tout le matériel que vous voyez là, en tout cas, caméra et objectif, ils sont tous tropicalisés. Et ça, c'était juste essentiel pour moi. Tropicalisé, enfin, j'imagine que vous connaissez sûrement, ça veut juste dire qu'en gros, il est conçu, les joints sont conçus pour ne pas laisser passer l'eau, l'humidité, ni la poussière. Donc, ça, c'était vraiment primordial pour moi. Enfin, des fois, c'est comme si mon matos, je le plongeais dans un seau d'eau tellement il était mouillé, quoi. Et j'ai eu la chance, il ne m'a jamais lâché. En parallèle, j'ai pris le Sony A7 III en backup parce que justement, j'avais peur qu'un jour ma caméra me lâche et quand vous êtes dans la forêt amazonienne tout seul et que du coup j'étais vraiment le seul vidéaste, vous allez voir juste après je vous parlerai de l'équipe, j'étais le seul vidéaste, vous ne pouvez pas aller voir votre client et lui dire que la caméra ne marche plus, c'est juste impossible et vous n'allez pas aller à un magasin dans la forêt amazonienne, donc il a fallu prendre une caméra en backup, même si ça rajoutait du poids dans le sac, c'était primordial. J'ai pris également 5 batteries, alors j'ai mis 5 mais je crois que c'était 6 ou 7. Parce que comme je vous l'ai dit, on dort dans la forêt, on n'a pas de prise de courant, il faut absolument avoir assez de batterie. Donc ça, c'était un peu un travail aussi d'analyse du programme. J'ai vu ça avec le client pour savoir ce qui arrivait, ce qu'on allait devoir filmer dans les jours qui viennent, pour que je puisse économiser un maximum les batteries et les utiliser intelligemment. Au niveau des objectifs, j'ai pris mes deux objectifs préférés, donc le 24-70 f/2.8 G Master. C'est celui qui est sur mon boîtier, on va dire, 80% du temps. Même sur mes tournages perso pour YouTube, pour mes clients, vraiment, c'est l'un de mes objectifs préférés, enfin, mon objectif préféré. Et j'ai aussi pris le 70-200 F4G. Donc, en fait, parce qu'en Guyane, la faune et la flore est vraiment impressionnante. Et très souvent, on était sur des petits bateaux comme sur l'image. Donc, il fallait que j'ai un zoom, mais pas trop gros parce que j'étais, encore une fois, le seul vidéaste. Il fallait tout que je porte tout seul dans mon sac. Certaines fois, on marchait pendant, je ne sais pas, 10-15 km dans la journée avec le sac sur le dos. Et puis, c'était dans la forêt. Encore une fois, ce n'est pas comme si on marchait dans Paris sur le bitume. Donc voilà, j'ai dû m'économiser sur le poids. J'ai pris le stabilisateur, donc j'ai pris le Ronin RS2. Alors, ça m'arrive à chaque fois. Je me dis à chaque fois qu'il faut que je prenne un stabilisateur et je ne m'en sers jamais. Je m'en suis littéralement servi 2 fois, je pense, parce que c'est tellement encombrant. À chaque fois, il faut le sortir, le mettre en place. Je ne m'en sers jamais, en fait, sur quasiment tous mes voyages. Donc ça, c'est juste quelque chose que je voulais vous dire. Si jamais vous partez à l'étranger sur des tournages, ne vous dites pas que vous avez besoin d'un stabilisateur nécessairement. C'est hyper encombrant et là, je ne m'en suis quasiment pas servi. J'aurais très bien tout pu tourner sans le stabilisateur. Ensuite, j'ai pris un drone. Ça, c'était obligatoire. J'ai pris le Mavic 2 Pro que j'avais à l'époque parce que niveau capteur, etc., c'est un bon drone, très bonne qualité, forcément en 4K obligatoire. Aujourd'hui, si je devais repartir, je pense que je prendrais plutôt celui que j'ai actuellement, donc le Mini 3 Pro. Beaucoup plus petit, 249 grammes, vraiment fait pour le voyage. J'aurais clairement pris celui-là si je repartais aujourd'hui. À l'époque, j'avais que celui-là. À l'époque, j'ai l'impression que c'était à 15 ans. J'avais que celui-là, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris une caméra d'action, donc l'Insta360 One X2. Ça, c'était plus pour ma chaîne YouTube. Donc, je sortais de temps en temps la caméra pour montrer l'envers du décor. Et niveau informatique, forcément, mon ordinateur, MacBook Pro, plus 2 SSD. Donc, à chaque fois, je faisais en sorte d'avoir 2 copies de mes rushs. Pareil, la hantise de tous les vidéastes de perdre ses rushs. Donc, j'avais au moins 2 backups. Plus, moi, j'utilise un backup NAS à distance. Donc, j'ai un NAS qui est chez moi à Lyon. Et ça me permet, quand j'ai une connexion Wi-Fi, de pouvoir uploader les rushs sur mon NAS depuis peu importe où je suis dans la planète. Problème avec ça, c'est que je n'avais pas capté qu'en Guyane, enfin, dans la forêt, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi. Donc, je n'ai même pas pu utiliser cette option. Mais j'avais mes 2 sauvegardes sur mon SSD. Et surtout, le matériel anti-humidité. Donc là, je vous ai fait une slide juste pour ça, parce qu'il a fallu s'équiper un petit peu. Le matos a vraiment souffert pendant les tournages. Donc, on n'a eu aucune... Il n'y a rien qui nous a lâché, heureusement. Mais on s'est quand même pas mal équipé. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est du gel de silice que j'ai mis dans mon sac photo. C'est des petits sachets. Des fois, vous savez que vous recevez dans vos colis, quand vous recevez des colis, peu importe. Il y a souvent des gels de silice pour absorber l'humidité. Donc ça, je le mettais dans mon sac photo tout le long du tournage. Je vous ai mis la technique du sac plastique que j'ai pas utilisé, mais j'avais un sac plastique avec moi dans le sac photo. C'est si jamais votre boîtier ne se rallume plus, qu'il aille, il commence vraiment à être en galère, vous pouvez mettre le boîtier dans le sac plastique, vous mettez plein de gel de silice dedans, vous fermez le sac, vous laissez plusieurs heures,
ça devrait absorber assez pour, en tout cas, rallumer votre appareil. Croise les doigts aussi, parce qu'on n'est jamais très sûr, mais en tout cas, c'est une petite technique qui doit marcher. J'ai pris un filtre UV pour protéger la lentille de l'objectif. Donc j'avais un filtre UV qui était constamment devant mon objectif. C'est vraiment des filtres en soi qui ne font pas beaucoup de différence, mais ça m'évite aussi de prendre l'humidité de trop et d'avoir des gouttes qui s'infiltrent dans l'objectif. Beaucoup de chiffons microfibres. J'ai passé tout mon temps à nettoyer les objectifs et le boîtier. Petite technique aussi, c'est le pare-soleil des objectifs. Donc sur la photo du bas, elle est un petit peu coupée, mais j'ai à chaque fois mis le pare-soleil. Ça m'évite aussi d'avoir des gouttelettes qui vont toucher la lentille de l'objectif. On va absolument éviter ça. Donc ça m'a beaucoup servi et c'est une petite technique pas chère pour le coup. Et aussi, on a pris des housses anti-pluie. Alors je dis « on », mais c'était absolument pas moi. C'est juste Antoine. Donc Antoine, c'est sur la personne que vous voyez sur l'image du haut. Lui, il était là pour prendre toutes les photos. Donc lui, il était équipé avec sa housse anti-pluie qui lui a beaucoup servi. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Voilà, je n'ai pas pensé à ça. Donc je n'avais pas du tout ça. Moi, j'étais avec mon matos sous mon énorme kawaii qui m'arrivait jusqu'aux chevilles. Je le mettais dessous. On faisait comme on pouvait. Mais c'est vrai que j'aurais dû partir avec une petite housse anti-pluie. Ça aurait été pratique. Alors là, on a fait nos premiers pas dans la forêt amazonienne. Toute la première journée, en fait, a été dédiée à juste comprendre comment ça allait fonctionner, en fait. C'est un climat que j'avais jamais... j'ai jamais été confronté à ça. 90% d'humidité, des pluies tropicales toutes les 15-20 minutes, comme je vous le disais. Donc, première journée, vraiment, histoire de prendre un peu nos marques dans cette forêt. On a filmé un petit peu quand même, mais le but, c'était de découvrir un peu ce qui allait nous attendre. Donc là, la personne que vous voyez à droite, ça a été notre guide Bruno, avec sa copine la migale. C'est la première migale qu'on a vue. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi et les bêtes, déjà en France, c'est un désastre. Les toutes petites araignées qu'il y a sur le plafond dans l'angle, c'est déjà un désastre. Donc, ce genre de machin, c'était très compliqué. Ça, j'ai failli allumer la lumière. Pareil, deuxième arrêt cardiaque presque. Donc là, je faisais un peu plus le malin, brosser les dents avec la migale au-dessus. Là, ça devait être le deuxième jour, je commençais à prendre. Voilà, je faisais vraiment le malin parce que je n'étais pas du tout sûr. Première journée, c'était vraiment s'imprégner un peu du climat. Et ensuite, on a attaqué le vrai tournage. Donc ça, c'était l'une de mes meilleures sensations. Donc on était sur des bateaux. Moi, j'avais un bateau pour moi avec quelqu'un qui pilotait. Et je filmais, du coup, Antoine et Aurore, qui est la deuxième personne qu'on filmait, qui est une influenceuse et photographe. Ils étaient sur un deuxième bateau à côté. Voilà, on a dû faire des pauses, encore une fois, à cause de la pluie. Mais ça, c'est vraiment une sensation incroyable parce qu'on était seul au monde, vraiment... pour le coup, aucun touriste, aucun bateau. On était tout seul toute la journée sur le fleuve. Et on a dû, Bruno nous a dit de nous mettre dans le fleuve. Donc là, niveau sérénitude, on était zéro. Moi, je pensais y échapper, mais à la fin, il m'a dit de sauter dedans quand même. Donc on joue le jeu. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on ne demande jamais ce qu'il y a dans l'eau. On fait les activités. Et puis après, on demande ce qu'il y a dans l'eau. Ce que j'ai fait, il m'a dit qu'il y avait des anacondas, piranhas, crocodiles. En parlant de crocodiles, ça, c'est un crocodile qui est venu nous voir sur notre écolodge flottant. Qui devait faire un bon 4 mètres, je pense. Ça fait très bizarre quand on vous dit que c'est un crocodile sauvage. Mais il a dit, ça ne craint rien, ils sortent que la nuit, les crocodiles. Donc, très bien. Puis après, on a fait une sortie de nuit dans les marais pour aller voir les caïmans, donc des tout petits crocodiles. Ça, d'ailleurs, très content d'avoir pris mon Sony A7S3 avec le dual ISO. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, le fait de pouvoir monter très haut dans les ISO avec le Sony A7S3, ça m'a beaucoup aidé pour ces images de nuit. Donc Sony pour la basse lumière, on connaît tous. Alors ça, c'est intéressant parce que Bruno, sur tous les spots qu'on faisait, il nous construisait des abris contre la pluie, obligatoire aussi. Donc ça nous prenait à chaque fois 10 minutes de préparation. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui a été mis en place pour qu'on puisse tourner. C'est tout ce qu'on ne voit pas en fait sur les vidéos finales. Mais c'était quand même beaucoup de préparation à chaque fois pour chaque plan qu'on faisait. Et donc c'était essentiel d'avoir des petits abris. Bruno, il était incroyable pour ça. Et ensuite, on a dû bivouaquer en forêt. Donc là, c'était encore un challenge perso et pro aussi. Comme je vous le disais, niveau batterie, il n'y avait pas de prise. Donc là, on ne pouvait rien faire. Là, on voit Aurore à droite sur son hamac avec moustiquaire, obligatoire avec toutes les petites bêtes, plus une bâche au-dessus contre la pluie. Ça, c'était un peu le fonctionnement de comment on dormait en forêt. C'était assez impressionnant. Je pense que j'ai dormi 20 minutes cette nuit-là. On ne dort rien du tout, mais avec l'adrénaline, on n'est jamais fatigué. Et puis Bruno a eu la bonne idée, juste avant de dormir ce soir-là, c'est notre première nuit en forêt, il a eu la bonne idée de nous emmener dans la forêt pour aller voir un petit peu ce qui se cachait dans la nuit. Donc on est tombé encore une fois sur mes copines. Là, je pense que clairement celle-là faisait la taille de ma main. C'était juste hyper impressionnant à voir. Et ce qui avait le plus impressionnant, c'était qu'on avait nos frontales, on se déplaçait dans la forêt et il y avait
quand je vous dis des millions, c'est des millions de petites lumières, des toutes petites lumières de partout. Et en fait, il nous a expliqué que c'était les yeux des araignées qui reflétaient la lumière. Donc, quand j'ai compris ce que c'était, je vous fais pas un dessin. Alors, je voulais vous montrer l'une des trois vidéos que j'ai livrées aux clients. En fait, on a fait une vidéo sur le thème de l'eau que je voulais vous montrer ici. Donc, c'est toutes les activités en lien avec l'eau. J'ai fait une vidéo sur toutes les activités liées à la terre et j'ai fait une vidéo globale avec, qui relie un peu les deux. Alors, l'une des demandes du client, c'est en fait c'est des vidéos publicitaires. Donc, c'est des vidéos qui doivent pouvoir se regarder sans le son. Ce qui est assez frustrant pour un vidéaste parce que quand on est dans la vidéo, et moi le premier, j'aime bien faire procurer des émotions, travailler mon sound design, voilà. Je veux donner des frissons en fait. C'est hyper frustrant pour un vidéaste de devoir se dire que beaucoup de personnes vont le regarder sans son, mais c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Le fait est que tout le monde, enfin, je ne sais plus quel pourcentage c'est, Ben, tu sais sûrement le pourcentage de personnes qui regardent les vidéos sans son, mais c'est hyper élevé. Donc, c'est, voilà. Mais c'était la contrainte, c'est la réalité d'aujourd'hui, donc c'est comme ça. Donc là, il n'y a pas de storytelling, c'est typiquement des vidéos qui doivent pouvoir se regarder. Quand on rentre dans un office de tourisme, c'est les vidéos qu'on verrait sur les écrans là-haut. Voilà, donc c'est une succession de belles images sans forcément de storytelling. Voilà, donc l'une des trois vidéos que j'ai livrées. Et je voulais vous montrer aussi, bon du coup ça a coupé complètement, au-dessus c'est marqué « Réalisation d'une vidéo YouTube sponsorisée ». En fait, c'est pour vous montrer un petit peu ma double activité, ma double casquette donc de vidéaste et YouTuber. En fait, j'essaye tout le temps d'optimiser mes déplacements. Donc là, toutes les images que j'ai faites, c'était pour l'office de tourisme. Et avec l'autorisation du client, j'ai pu en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube donc, pour montrer l'envers du décor. Et j'ai pu du coup faire une vidéo pour le coup, qui me ressemblait beaucoup plus parce que je n'avais pas les contraintes du client. Donc là, j'ai vraiment fait une intro sur cette vidéo YouTube. Il y a une intro d'une minute environ que je vais vous montrer où j'ai pu vraiment la travailler comme je le voulais, créer un peu des émotions, travailler mon sound design que j'aime tant. Et puis, en fait, cette vidéo d'une minute derrière est suivie par 7 ou 8 minutes de BTS. Donc, je parle face caméra, je montre aux gens comment on s'y prend, etc. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Alors, cette vidéo, comme je vous le dis, a été sponsorisée par une autre marque pour vous montrer aussi que voilà qu'on... En faisant une vidéo BTS, j'ai pu gagner de l'argent aussi grâce à cette haute marque, toujours sur le même tournage, pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne dans ce travail. Voilà, donc le type de vidéo qui me ressemble un petit peu plus, on va dire. Alors, je voulais vous donner quelques conseils, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont ce même rêve que moi de pouvoir voyager grâce à la vidéo. Donc, je voulais vous donner trois petits conseils, en fait, qui, moi, m'ont permis de pouvoir voyager grâce à ça. Le premier, et je vais vous donner un exemple concret, en fait, c'est pas plus tard que l'année dernière, novembre dernier, j'avais un voyage, enfin, je voulais partir à New York. Je voulais partir à New York pour travailler. C'est ma ville préférée sur cette terre, donc je voulais avoir une presta là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un billet. J'ai pris mon billet pour aller à New York.
Et c'est après que j'ai contacté quelques clients, mais je n'ai pas contacté des clients qui étaient à New York, j'ai contacté des clients qui étaient en France et qui avaient une activité à New York. Donc moi, j'ai un client régulier, c'est une école prestigieuse dans le domaine de la restauration, client très régulier. Et je sais qu'ils ont des étudiants un peu éparpillés dans le monde, des anciens étudiants. Et du coup, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais à New York, vous n'avez pas à me payer le billet d'avion parce que j'ai déjà pris, est-ce que vous voulez du contenu vidéo là-bas? Et forcément, ils ont sauté sur l'occasion. Et je leur ai fait deux vidéos, donc j'ai eu la chance d'aller dans des deux restaurants hyper prestigieux. Le Daniel, c'était l'un d'entre eux. D'ailleurs, ils m'ont invité à manger après, repas à 700 euros. Incroyable. Mais du coup, voilà, j'ai pu faire mes prestats à New York. Donc, quand j'étais là avec mes petites affaires à déambuler dans les rues de New York, j'étais fier comme un coq. Et c'était encore un rêve qui se réalisait. Deuxième petite chose que je voulais vous donner, un petit conseil qui, moi, m'a permis de voyager aussi, c'est... encore une fois, je vous donne un exemple. J'avais prévu d'aller à Hong Kong. J'ai voyagé un peu à travers l'Asie. J'avais prévu d'aller à Hong Kong. Et je me suis dit, est-ce que je ne contacterais pas des hôtels pour leur proposer de dormir là-bas en échange d'une petite vidéo. Je voulais faire une vidéo d'une minute. Aujourd'hui, tout le monde veut des vidéos d'une minute. Donc, je leur ai dit, on fait une vidéo d'une minute en échange de quatre nuits. J'aurais proposé un truc concret parce que les gens aiment bien qu'on propose des trucs concrets et pas juste qu'est-ce que je peux faire pour vous. Proposez-leur un truc concret. Et j'en ai contacté, on va dire, 6 ou 7. Et il y en a 2 qui m'ont répondu positivement, dont le Four Seasons, pour ne citer aucun nom, à Hong Kong, donc hôtel hyper prestigieux. Au final, le Covid est passé par là, j'ai dû annuler mon voyage, donc j'étais un peu dégoûté. Mais en tout cas, ça avait marché et je les ai contactés sur Instagram. Donc des fois, c'est un peu compliqué, les gens ne répondent pas tout le temps, mais ça a fonctionné pour moi. Donc n'hésitez pas aussi à proposer vos services en échange de quelque chose pour une location de van. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et très souvent, les gens aujourd'hui sont friands de vidéos, ils sont friands de contenu, donc ça marche très souvent. Et la troisième astuce, c'est quoi? Oui, c'est d'avoir une... alors ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais je vous le dis quand même, c'est d'avoir une communauté. Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai une chaîne YouTube et ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai des copains YouTubeurs là aussi. En fait, ça nous permet d'avoir plein d'opportunités de voyage. Et c'est sûr que c'est du boulot de créer une audience. Il y a beaucoup de monde qui veut le faire, mais il y a de la place aussi pour tout le monde. Et grâce à ça, moi, j'ai pu voyager dans quelques destinations, surtout de voyager avec les potes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, les gens pensent qu'il n'y a plus de place sur YouTube, sur Instagram, mais il y a toujours de la place. Ça évolue constamment. Donc ça, c'est aussi mon troisième conseil, c'est d'avoir une audience. Voilà, je voulais juste finir par, comme je vous l'ai promis, la petite réduction DaVinci. Donc, en fait, le lancement, c'est mercredi. Et c'est jusqu'au 22 octobre. Vous avez 10 jours dès la formation. Pour utiliser le code SDP2023, donc salon de la photo 2023, et vous aurez 25% de réduction sur la formation. Il y a 20% pour tout le monde pour le lancement, et vous, pour le salon de la photo, il y aura 5% en plus. Donc, si ça vous intéresse, le code, c'est SDP2023. Je vous ai mis le QR code pour pouvoir mettre vos adresses mail pour qu'on vous prévienne du lancement. Mais vu qu'il est coupé, je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, si vous pouvez me suivre sur Instagram et je vous donnerai toutes les infos en story dès mercredi. Donc voilà, merci énormément d'être resté jusqu'à là. J'espère que cette petite immersion vous aura plu. Et on discute avec grand plaisir. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Des questions sur la Guyane ou sur mon boulot ou sur complètement autre chose. Petite question à droite. Ah, pardon. Pour YouTube, tu donnerais quoi comme conseil pour ceux qui veulent commencer une chaîne comme toi? Commencer une chaîne? Ouais. Je pourrais faire toute une vidéo de ça. Peut-être juste le premier. Quel premier pas tu dirais? En fait, ce qui est hyper difficile à faire au début, c'est de créer un peu sa patte. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui veut faire des vidéos sur YouTube. Et quand on arrive à créer un peu un style, avoir un peu une patte artistique, c'est là que les gens vont commencer à se dire « Ah ouais, ce gars-là, il a un truc en plus. » Tous les thèmes de vidéos, tous les thèmes de tutoriels sont passés sur YouTube. Enfin, tout a été montré. Ce qui va faire la différence, c'est vous, c'est votre personnalité. Et je pense que c'est ça que les gens attendent. Mais c'est facile à dire, quoi. Même encore aujourd'hui, je me cherche un petit peu. 2 questions. Petite question, tu t'as d'abord lancé ta chaîne YouTube et après tu t'es mis à faire la vidéo ou tu faisais de la vidéo avant de te mettre sur YouTube? Alors, j'ai pas parlé de date en effet, il y avait les dates sur la frise chronologique à gauche. En fait, je me suis lancé dans la vidéo à la fin de mes études en 2016, donc c'est le premier truc que j'ai fait. Donc j'ai bossé, on va dire, 3-4 ans en tant que vidéaste pro, je faisais uniquement ça.
Et c'est en 2000, du coup, je m'en souviens plus, en 2019, je crois, ou 2020, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, c'est venu après. Et j'ai toujours envie un petit peu, là, depuis janvier, on priorise énormément YouTube parce que, en fait, j'essaie de garder la double activité. Et c'est hyper compliqué de faire les deux. Enfin, les vidéos YouTube, on ne se rend pas compte, mais on essaye tant bien que mal de sortir une vidéo par semaine. On n'y arrive pas toujours. Mais une vidéo par semaine, c'est déjà tellement de boulot de préparation. Tournage, le montage, ça prend longtemps aussi. Et donc, si en parallèle, on a des clients, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, cette année, on a décidé de prioriser YouTube. Mais on ne veut pas perdre non plus le côté client parce que j'ai quand même envie d'être crédible auprès de mon audience. Si je leur apprends des choses en rapport avec comment démarcher, comment être avec le client et que je n'ai pas de client de mon côté, je trouve que je ne suis pas légitime. Donc, j'ai envie de rester un petit peu, j'ai envie de garder les deux, tu vois. Même si cette année, on priorise beaucoup YouTube et on le voit dans les stats, c'est cool. Pour la formation, est-ce que la version gratuite de DaVinci suffit? Alors, il y a énormément de vidéos, il y a 90 vidéos, donc c'est une formation hyper complète. Il y aura forcément des vidéos qui vont parler d'options qu'il y a sur la version payante, mais tu pourras faire énormément de choses déjà avec la version gratuite. Il y a 90 vidéos, donc il y a vraiment, là, on aborde toutes les facettes du logiciel. Les vidéos, elles durent entre 5 et 10 minutes en moyenne, donc on a voulu les garder assez courtes, on va vraiment au but, mais... même avec la version gratuite, tu pourras faire des merveilles. Nous, on a passé quoi ? On a passé 4 mois, je crois, 3-4 mois sur la version gratuite à faire toutes nos prestats vidéo clients et YouTube. Donc, tu peux déjà faire des vidéos hyper quali avec la version gratuite. Ça, l'avantage de DaVinci, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais il y a une version totalement gratuite et illimitée dans le temps. Ça, c'est pour un logiciel aussi complet, c'est vraiment impressionnant. À droite. Bonjour Alex, pour commencer je te remercie pour ta prestation. Ça fait quelques moments que je te suis sur YouTube, moi je me lance dans la vidéo et j'aimerais savoir si tu as quelques conseils sur tout ce qui est dit dans la vidéo un peu commerciale. J'aimerais savoir si tu as quelques conseils à me donner. C'est toujours la grande question de est-ce qu'on fait des vidéos gratuitement ou pas. Moi j'ai eu la chance de jamais faire de vidéo gratuitement. Ma première vidéo j'ai pris 300€ et en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est moi, j'ai fait des études qui m'ont rien appris. Enfin, vraiment, niveau vidéo et tout, j'ai rien appris dedans. Mais ce que ça m'a apporté, ces études, c'est des contacts. Donc, toutes les personnes qui étaient avec moi dans ma promo, c'est des personnes qui ont bossé à droite à gauche dans différentes entreprises. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Donc, j'ai envoyé des messages à tous mes anciens potes de promo, même ceux que je connaissais moins. Je leur disais, est-ce que vous voulez une vidéo ? Moi, si tu te lances, je n'aurais pas peur, tu vois, de proposer des choses gratuitement. Tu peux faire une petite vidéo gratuitement juste pour te construire un portfolio. C'est sûr, il ne faut pas en faire 5 parce qu'au bout d'un moment, après, c'est toujours la question, est-ce qu'on casse le marché ou pas ? Parce que derrière, les gens qui veulent pouvoir en vivre, ils n'y arrivent pas parce que les gens le font gratuitement. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas en abuser. Mais pour te lancer, je ne dirais pas que c'est primordial. Encore une fois, moi, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, il faut proposer pas cher, quoi. Et il faut tout donner dès le début. Il faut tout donner tant sur la vidéo finale que ta relation avec le client. Ça, je trouve ça trop important de montrer que tu as compris les valeurs de l'entreprise, que tu t'adaptes à eux. Le mot « adapter », c'est vraiment... le mot le plus important de mon métier, je pense. Il faut s'adapter à toutes les industries. Quand je bosse pour l'école prestigieuse dans la restauration, j'arrive avec ma petite chemise bien présentée, etc. Et là, on est en train de filmer des matchs pour la Coupe du Monde de rugby où le client, c'est un peu en mode troisième mi-temps. Et donc, pareil, on se met un peu dans l'ambiance, etc. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Donc, vraiment, il faut essayer de faire croire au client que vous êtes presque dans l'entreprise, en fait. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.